Yo les amis, c'est Vakar, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur A Plague Tale Requiem. Merci beaucoup d'avoir suivi le premier épisode, tous ceux qui ont mis des petits likes, des petits commentaires, voilà, merci, ça vous a beaucoup plu. Moi aussi, franchement, j'ai kiffé ce premier épisode, il s'est passé trop de trucs, en plus c'est trop bien, il est trop beau le jeu, il est magnifique, franchement c'est une pépite déjà. Donc voilà, merci à tout le monde les amis, on continue bien sûr jusqu'à la fin de l'aventure ensemble, tous les jours, donc restez bien connectés. Dans l'épisode précédent, du coup, on a fini l'épisode en étant avec Amicia et Lucas. Il semble que la Macula soit en train de revenir parmi nous. Notre petit frère Hugo va pas très bien malheureusement. Donc voilà, l'objectif c'est de trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider à soigner sa maladie avant d'atteindre les prochains seuils. J'espère que vous êtes prêts les amis. C'est parti pour un nouvel épisode de A Plague Tale Requiem. Une dramatique altercation avec des paysans a forcé Amicia à tuer de nouveau, tandis qu'Hugo s'est réfugié dans la vision fantasmée d'une île abritant l'espoir d'un remède à la Macula. Rattrapé par les villageois en quête de vengeance, Amicia doit sauver sa famille lors d'une confrontation brutale qui réveille en elle un violent traumatisme. Maintenant aux portes de la ville rouge, le Quator est à la recherche de Vaudin, un magistère de l'ordre que Béatrice souhaite consulter à propos du mal d'Hugo. Allez les amis, direction du coup la tour tout au bout, vous voyez, avec le symbole de l'ordre. Ah ! T'es sûr de toi, Amicia ? Non, mais c'est le seul moyen. Fais très attention. Ça a pas l'air très solide. Ouh là là. Putain. Oh mon Dieu. Tu peux te lever? J'essaye. Les gars, c'est quoi? Autour de nous? Ne me frappez pas! Calmez-vous! Nous ne sommes pas avec ces hommes. Vous habitez ici? Oui. Oh oh. Oh oh. Ils sont revenus! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là! Ne lâchez pas la torche! Tant que vous la tenez, ils ne peuvent rien vous faire. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Venez avec nous. Ils veulent te bouffer, mon gars. Nous devons remonter à la surface. Le soleil nous protégera. Calmez-vous, vous ne risquez rien. D'accord. Oh, c'est chaud, frère. Il en vient plus. Continuez d'avancer. Ils sont trop nombreux. N'arrêtez pas. Oubliez-les. Avancez. Avance, mon gars, avance. Tu vas mourir. Oh, oh mec, feu ou pas feu? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Au cours! Oh c'est quoi? Tu vois une sortie? Non, c'est rien. Oh c'est chaud! C'est quoi cette vague de ouf? Ah. What the fuck? What? On est fichus! Non! Oh mec! On est en sécurité. Tout va bien. Restez proche d'une source de lumière pour vous protéger des rats. Vous pouvez interagir avec une torche pour la prendre. Ah frère, ils sont tellement nombreux. Ne me lâche pas. Tu crois qu'on va s'en sortir? Soyons très prudents. Ils sont trop bien faits. Déjà le 1, ça m'avait impressionné. Oh mon Dieu, regarde, ils vont démonter. Déjà le 1, ça m'avait impressionné, tous ces rats et tout à l'écran. Mais là, les gars, on a atteint un niveau. Vous avez vu la vague de rats? Ah ouais, lui il a été démonté comme il mange tout. Ok, on peut allumer. Oui, ça tiendra. Tac, le petit bras zéro. Regarde, il grimpe. Quoi? Comment? C'est un cauchemar. On va jusqu'à cette tour. Oh putain. On trouve Vaudin, on le ramène à Hugo et on s'en va. Ok. Mon matériel, j'ai tout perdu en tombant. En brassant. Oui, surtout ne fais pas tomber cette torche. Ah ouais, non, fais pas tomber la torche là, sinon on est dans la merde.
Tac, on ramasse le petit pot. On peut escalader ce mur. Vous ne pouvez pas franchir les obstacles avec une torche à la main. Déposez votre torche sur un support pour qu'elle reste allumée et franchir l'obstacle. Pas le choix. Je n'arrive pas à croire qu'on abandonne la torche. On a pas le choix, mon petit Lucas. Ok, les bâtons ne brûlent que quelques instants avant de s'éteindre. Ouais, effectivement, les bâtons ils restent pas allumés, donc faut aller vite jusqu'au foyer. Si le feu s'éteint, les amis, on se fait démonter. À la nuit tombée. Oui. Rien ne les empêchera de sortir. C'est bon. Là, on a d'autres bâtons. On va les prendre. Oh, c'est chaud, les gars. Je sais pas. On doit absolument se réfugier plus en hauteur. La flamme tient bon. Pour l'instant. Allez, vite. Ça va brûler. C'est bon. Ah, bien. Un bras zéro à la fois. On peut le faire. Ok. On va le faire. Là, une échelle. Ok. Donc normalement, si je prends la fronde, je peux péter ça. Et je fais tomber le bras zéro. Ça devrait marcher. Il faut l'allumer. Comment je vais faire pour l'allumer? Ah, je peux jeter le bâton en feu, ok. Ça, c'est nouveau, ça. Je crois qu'on pouvait pas faire ça. Yes, oui. Bien joué. Beau travail. Allons-y, vite. Allez, on se casse. Enfin, hauteur. On sent mieux. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Fais vite. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ah, c'est clair. Le répit est jamais très long. Ya, cette vague de rats, les gars. Le pauvre garde, il s'est fait démonter. Vraiment? Une poutre? C'est l'unique chemin. Ah. Alors allons-y. Oui. Doucement. Wow. D'accord. Ok. Wow. Surtout, prends ton temps. Oh non, Lucas. Je savais. Oh mon dieu. Est-ce que ça va? Non. Heureusement qu'il est dans la lumière. L'échelle, il faut que tu montes, vite. Allez, que ça m'arrive à moi. Oh, le pauvre. C'est chaud. Allez, faut qu'on le rejoigne. On allume le feu. J'ai besoin d'aide. Ils en ont après moi. J'arrive. Tu es en sécurité. Pour l'instant. Je ne t'abandonnerai pas. Tu le sais. Ah, ça grouille, les amis. Là, il y a une échelle. Il y a un autre bâton. Est-ce que je peux le... Ouais, je peux lui envoyer dessus, je pense. Tac. Voilà, viens là. Voilà, c'est bon. Merci. Oh là, attention, ils sont vraiment pas loin. J'ai besoin d'un bâton pour traverser. Ok, je t'envoie un bâton. Oh mon dieu. Hop les... Oh, je peux lui lancer, c'est trop bien. Courage. C'est trop stylé, ça. Vite. Et ne tombe pas cette fois. Tu vas y arriver. Ne panique pas. C'est un peu tard. Bien joué. C'était horrible. Waouh. Merci. Mon pauvre. Arrête de me donner des sueurs froides. Avance. Faut plus tomber comme ça, hein. Faut plus nous faire des frayeurs, hein. Ok. On se rapproche de la lumière du jour. Peut-être qu'on se sera rapproché de cette tour. J'ai hâte d'entendre le plan du magistère. PMA tous les rats. Son plan a intérêt à être bon. Il le sera. Allez, you Vaudin, là. C'est verrouillé. Ouh. Oh non. Me dis pas qu'on doit redescendre. Et si? Tu plaisantes? Non. Et l'état d'Hugo empire à chaque seconde qu'on perd ici. Ta mère veille sur lui. Tout ira bien. C'est chaud, hein. C'est chaud, les gars. Les rats sont de retour. Le répit n'a pas duré, hein. Il n'y a pas de rats? Non, mais ils étaient là il y a peu. Waouh. Regarde tous ces corps. Encore chaud. Ils sont proches. Attention. Oh my god, regardez-moi ça. Ils ont été déglingués par les rats. Jusqu'à la moelle. Oh. Qu'est-ce que c'est? Des rails dans le mur. On dirait un monte-charge. On pourrait sortir par là. Alors. Faire descendre la plateforme centrale, ok.
Là, il y a un foyer qui s'allume. On va monter. Ça sent cette odeur. C'est du soufre. C'est une forge, une manivelle. Voyons à quoi elle sert. J'ai besoin de ton aide. Bien sûr. À mon avis, ça fait descendre la plateforme. Waouh. Ok, ça ouvre les portes. Tu entends ça? Oh mon dieu! Oh non, c'est non! Regarde combien ils sont! On est coincés, Lucas! Non, non! Regarde la plateforme! Le brasero! Je pense qu'il est assez gros pour illuminer toute la pièce! Comment on fait pour l'allumer? Je ne sais pas. Salpêtre, soufre, alcool, tout ce qu'on peut trouver! Bien! Les alcôves sont ouvertes! On y trouvera peut-être quelque chose! Waouh, comment on fait pour aller jusqu'à là-bas? Oh, est-ce qu'ils vont remonter tout seul? Non, c'est bon, c'est bloqué. Ok. Ok, faut pas tomber! Des stocks de viande. On a besoin d'un agent de conservation, comme de l'alcool. Peut-être dans ce coffre? Bon, essayons d'occuper ces rats d'abord. Alors, à mon avis, il faut... Y a pas un cadavre qu'on peut... Ouais, là. On va faire tomber le cadavre de ça, ça va les... Ça va les occuper. Merde. Est-ce qu'il y en a un autre? Je crois pas, hein. Là, je vois rien. Je peux pas descendre pour l'instant sinon je me fais bouffer. Bon, ici, c'est mort. Peut-être passer là. Ok. Ne tombe pas. On va essayer. Ok, c'est bon. Ça va leur plaire. Ça. Voilà. Juste ça. Ah putain, ils peuvent grimper avec ça maintenant là. C'est chaud. La voie est libre. Viens. Allons voir ce coffre. On croirait qu'ils n'ont rien eu à manger depuis des siècles. Ah ouais, ils bouffent tout les rats, mon gars, ils bouffent tout. Allons voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Des bouteilles d'alcool. Oui, c'est bien. Alcool. Très bien. Super ça. Reviens. On continue d'explorer les alcôves. Bien. Il faut un autre élément. Et on pourra fabriquer de l'inifère. Tu te souviens? L'inifère. Grave. Allons voir dans l'autre pièce. C'est ce qui permet de faire le feu, il me semble. De faire des... C'est du soufre, c'est ça? Oui. Il y en a de répandus sur ces planches. Le coffre là-haut doit en contenir plus. Du soufre pur, ce serait parfait. Alors montons voir. Une manivelle. Il y a un monte-charge. Avec l'inifère, on va pouvoir allumer le brasero. Est-ce que ça va? Oups, oula. Évidemment. Maintenez, elle est en place. Okay. Je peux t'aider? Bonne idée. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. My god. Interagir, tiens. Lucas, tu dois le faire. Naturellement. Voilà, Lucas, tu travailles pour moi. Et comme ça, moi, je peux passer. Merci. Je tiens. Super. Et je pense que je peux mettre ça là-dessus. On se dépêche, on se dépêche. Voilà, tac, on met ça comme ça. Attends, vas-y, j'appuie sur la touche. Et c'est bon. C'est bon, arrête. Merci bien. Bien sûr. C'est trop bien. Il faut accélérer. Je m'inquiète pour Hugo. La tour n'est plus très loin. Dès qu'on trouve Vaudin, il... On ne sait même pas s'il est là-dedans. Et avec les rats et ses mercenaires. Hé, hey, une chose à la fois. Oui. Il a intérêt d'être dedans, avec tout ce qu'on fait. Bien. Ok. Alors, j'espère qu'on a la deuxième partie de l'ingrédient pour créer notre inifère. Tu avais raison. Super. C'est du soufre. Oui. Enfin une bonne nouvelle. On a le soufre, on a l'alcool, on va pouvoir créer l'inifère. Et allumer le brasero. Bien.
On a du soufre et de l'alcool. C'est une base idéale pour l'énifère. Hautement réactive. Allez, mélange-les. L'énifère. Vous pouvez désormais fabriquer de l'énifère. Maintenez R1 pour venir le menu sélection. Allez. Donc, ok, lancer de pierre, lancer d'énifère. Et on fabrique. Voilà, super, trop bien. C'est parfait. Chacune de vos munitions peut être tirée avec n'importe laquelle de vos armes. Ok, super. Allez, on en a fait 6 comme ça. Lance-le sur ces braises avec ta fronde et espérons que ça marche. Allez, c'est parti. Ah, le craft m'avait manqué. Bon sang. C'était ah ouais, ça. Réactif, en effet. Merci, Lucas. Cet inifère sera plus qu'utile. Maintenant, essayons de faire descendre cette plateforme. Je crois que j'ai vu d'autres manivelles dans les parages. Jetons un œil. Ok, allez, on va pouvoir descendre. Maintenant que les rats se sont barrés. Allez, allez-vous-en les petits rats là. Ça fait beaucoup de vieilles jarres. J'imagine facilement la foule égayée par le vin en plein combat de gladiateurs. Oui. Alcool, soufre, peau, super. Bon, non, on est au max dépôt, donc voilà. Allez, on ramasse tout, alcool, super. Lui, on va le péter avec la pierre. Et après, on va l'enflammer, comme ça, il va faire fuir les rats. Oh, il y a le petit ralenti, il est sympa. Parfait. Il y a encore des rats. Mince, comment on va faire? Ce pot en terre, là, il pourrait concentrer l'effet de l'énifère et le libérer à l'impact. Vas-y, essaie. Espérons que ça marche. N'importe quel effet peut être combiné avec un pot. Maintenez R1. Oh, c'est nouveau, ça. Avec un pot? Ah ouais? D'accord. C'est fait. Ok, en fait, on a mis du feu dans le pot, c'est un délire. On pourra traverser, mais on devra faire vite. Ok, du coup, ça fait une zone comme ça. Et on y va. Tac. Super. C'est facile. Il suffit d'avoir donc, n'importe quel effet peut être combiné avec le pot. Trop bien. Pot plus feu égale grenade. Hein. Gros. Allez, on va ouvrir ça. Super. Tac. Allez, déplaçons ce monstre. Ah, c'est beaucoup trop lourd. C'est à ça que sert la manivelle de l'autre côté. On a besoin d'être deux. D'accord. Reste là. Je vais m'occuper de allez, toi tu tiens celle-ci. Et moi je fais l'autre. C'est ça, Amicia. Espérons. Si quelqu'un m'avait dit qu'on aurait nos propres jeux du cirque. Si quelqu'un m'avait dit que le monde serait sur le point de s'effondrer à nouveau. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud, les gars. Donc lui il tient ça. Et normalement, moi je vais sur celui-là. Et il y a celle-ci qu'on doit bouger. Hop, on va éviter. Hop, avec la main. C'est pareil. Il gardait d'autres aliments. Je vais t'aider, Hugo. Je vais trouver ce vaudin. Il faut que tu t'accroches. Je fais tout ce que je peux. Ok, sauf que là, il y a un petit passage. On n'a pas des petits bâtons, des petits trucs comme ça, non? Du coup, je vais devoir utiliser un pot, hein. Ah, j'ai plus de... Faut que je refasse. Ok. Je voulais trop aller voir dans ce coffre, là. Wouhouhou, c'était chaud. Ok. Tac. Et là. C'est bon, on peut passer. Et là-bas, je pense qu'on peut tirer. Alors, pas l'inifère, on va prendre ça. Comme ça, ça va les faire attaquer le gibier. Super. Et nous, on peut monter. La manivelle, maintenant. On fait descendre ça et on file d'ici. C'est bon, Lucas. J'y suis. C'est quoi ça? Un petit pot aussi, super. Allez, c'est parti. Oui, ça marche. On la descend tout en bas. Oh, Dieu merci. Yes! On y est! À ton signal! Bah écoute. Maintenant! T'as entendu? Le frein doit être en train de céder! Oh là, vite! Enfonce la plateforme! Vite!
Wouhou. C'était chaud. Comment on a fait ça? Avec énormément d'habileté et de patience. Bien joué. Ça recommence. Tu comprends ce que ça signifie? Oui, bien sûr. Mais on en a vu d'autres. Tu as vu comment ils sont chargés? Leur façon de bouger, ils sont plus rapides, plus ouais, agiles, plus clairement. Intelligents. Mais on a réussi. De justesse. Trouvons le magistère Vaudin. Avec le soutien de l'ordre, nous ne serons plus seuls pour les affronter. J'espère vraiment que tu as raison. C'est clair que les rails sont beaucoup plus rapides. Maintenant, ils peuvent grimper sur des espèces de drapés, là. C'est chaud. Mais on avait vu dans le trailer que Hugo aussi... Pitié, dis-moi que nous sommes sur le bon chemin. Il contrôlait des rats beaucoup plus puissants, donc ça s'annonce très très lourd. Oui, la tour. On s'est un peu rapproché, non? Un peu. Mais c'est mieux que rien. Ok. La tour est un peu moins loin. Mais toujours aussi loin. On doit continuer, les amis. On voit aucun signe des mercenaires. Espérons qu'ils ne le trouvent pas avant nous. Allez, dépêchons-nous. Cet endroit semblait plutôt agréable, en fait. Avant la morsure, oui. Un jardin potager. Oh, regarde ça. Qu'est-ce que t'as vu? Une petite fleur. Et toi, que fais-tu ici? Celui qui l'a planté ne la verra pas grandir. Hugo va l'adorer. Allez, dans les cheveux. Je vais la porter là. Magnifique. Comme avant. Ça te va bien? Eh ben, merci. Sagittaire à feuilles. Continue. En flèche. Super. Magnifique. On trouve cette plante aquatique en forme de petite étoile. Super. Et on peut la retirer en fait. On peut les mettre et les retirer, je pense. Trop bien. Alors on a un coffre là-haut. On peut descendre ici. Je crois qu'on pouvait aller par là aussi, non? Ah non, c'est bloqué. Ok. J'adore l'ambiance, comment elle est radicalement changée, quoi. Ok, là on a un coffre. Attends. Parce que j'ai vu qu'il y avait un coffre là-haut aussi, mais comment on y va? Ah, on peut monter. Je me demande comment le comte de Provence espère régler cette pagaille. Les gens ont l'air de dire qu'il s'en moque. Il laisse son armée gouverner. Ce qui n'empêche pas ces mercenaires d'agir en toute impunité. Nous qui pensions être en sécurité. C'est râpé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un couteau. Super. Ah d'accord, en fait c'est des consommables les couteaux. Je pensais que... Tu les gardais tout le temps. Tu le gardais tout le temps là, celui qu'on avait trouvé dans le premier épisode. Mais en fait tu... Une fois que t'as tué un gars, c'est mort. Après je sais pas si tu peux l'utiliser une, deux, trois, tu vois, plusieurs fois avant qu'il se casse. On verra. On est vraiment plus très loin de la tour. Allez, suis-moi. Un dernier effort. C'est vraiment grand. Il doit être là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr, en tout cas. Si l'ordre a encore un tel pouvoir, il pourrait sauver Hugo. Espérons-le. Alors, on peut aller là-bas, mais je crois qu'on peut grimper ici aussi. Ah non, se cacher. What? Ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis, les gars. Ok. Oh là là, oui. Avec toutes ces hautes herbes là. Combien de gens sont morts ici? L'endroit était bondé, les issues fermées. La morsure a emporté tout le monde. Attends. Oh, non. Fermé. Donc, on attend qu'un mort arrive pour le débusquer. Dis aux hommes de se tenir prêts à envahir la tour. T'as pas entendu? On a perdu des gars. Ils sont là. Y'a quelque chose qui cloche. Allons attraper ce foutu alchimiste et fichons le camp. On attend Arnaud. C'est un ordre. Très bien. Tant pis. Il est bien dans la tour. Et il va
devons bientôt la prendre d'assaut. Lucas, c'est notre dernière chance de sauver Hugo. Oui. Allez. On doit atteindre le magistère Vaudin avant que leur chef n'arrive. Viens. Hein? Oh merde. Qu'est-ce que c'est? J'avais pas vu les... Un archer. Ok. Attends, lui on peut le taper. C'est rien, je me fais des idées. Lui on peut lui envoyer une... Voilà, toi t'es mort. Il y en a un, je crois qu'il est rentré dans la maison. Putain, c'est chaud. Il y en a un là-bas? Non, je sais pas. Ouh, putain, c'est Tandax, ça y est. Ça me met déjà la pression. Je crois qu'il y en a un qui a pas non plus de... On peut monter là? C'est quoi ça? C'est juste des bâtons? Ok. On va essayer de monter à l'escalier là pour voir ce qu'il y a. Par là. Allez, allez. Ok, là il y a un coffre. Je me demande si on peut pas leur balancer des bombes. De feu, des pots enflammés. Tiens, lui là, il a pas de... Merde, attends. Bim. Voilà. Toi t'es capoute. Ok, on peut redescendre ici. Je crois qu'il en reste un, mais je crois qu'il a un casque en fait, le gars. Passons par là. On fait tout doucement, les amis. Oh putain, il a vu qu'il y avait un cadavre, je crois. Oh, c'est la merde. Oula. Y'a des rats. What the fuck? Oh merde, comment je vais faire? Je suis stressé. Il y a des rats partout, les gars. Je suis un peu keblo. Je sais pas si je peux monter là. Ouais, je pense que je peux monter. Ok, on passe par là. Nickel, c'est bon, on est bien. Ça doit être vous. Restaure de vue. Putain, lui il a un casque. Merde. Normalement, il peut pas marcher parce qu'il a pas de... S'il vient dans la... dommage, je peux pas lui éteindre ça. Vous savez, dans le 1, on pouvait éteindre, mais là pour l'instant, on peut pas. On a des visiteurs, faut s'occuper d'eux. De suite, on a de la compagnie. Ok. On va continuer par là. Putain, c'est chaud là. Debout, espèce de feignasse. Allez. Il faut qu'on avance. C'est très très grand. Ah putain, y'a un mec là. Voilà, bim. Il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait de passer. Je vois qu'il y a des feux allumés, il y a des... Ah ouais, là je peux pas. Tac, je vais faire de l'inifer. Ok, là on peut passer. Oh, il y a un mec là-haut, les gars. Oh, c'est chaud. Wow. On y est presque. Allez. Presque. Allez, on passe, on essaie de se pas se faire griller. Petite fouine. Oh. Ah, on peut. Ah, la tour est là, les gars. La tour est là. Ok. Je pense qu'on peut-être balancer une bombe là. Ou alors, direct, on l'allume. Quoi? Oh, merde. Alors, comme ça, vous vous cachez là. Allez, on se casse. Allez, Lucas. Vas-y. Ouah, c'était chaud. Trop bien, on a réussi. On y est. Bien joué. On est à l'abri.
Tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Vaudin est quelque part ici. On a réussi. Ces derniers mois, sur la route, après tout ce qui s'est passé en Guyenne, Hugo a toujours été terrifié à l'idée que ça recommence. Mais tout était tellement magnifique et silencieux. Et alors, je lui ai dit que c'était peut-être terminé, que le pire était derrière nous. On l'a tous espéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire? Que les rats sont de retour? Que la morsure tue par milliers? Que cette nouvelle maison qu'il adore agonise déjà? C'est au-dessus de mes forces. Ce serait le cas pour tout le monde. Mais nous ne serons bientôt plus seuls face à tout ça. Nous aurons les meilleurs alchimistes à nos côtés. Ça va? D'accord. Regarde. Une vraie loge de l'ordre. Waouh. Tellement beau. Trouvons ce magistère, Vaudin, pour Hugo. Tellement beau. Merci, Lucas, de ta positivité, parce que la pauvre Amicia, là, elle est déjà au bout c'est du rouleau. C'est un vestibule. Comment allons-nous faire pour monter? Je ne vois pas de porte. Mais ces sortes de cloches en métal. Regarde, elles portent des symboles de planètes. Et ici, le soleil trône en leur centre. L'ordre des planètes n'est pas le bon. Comment ça fonctionne, tout ça? Ok. Il y a une serrure sous chacune de ces cloches. C'est un seul et même mécanisme. Mais on n'a pas de clé, alors? Je pense que la clé fait pivoter chaque cloche. Mais ta fronde pourrait faire l'affaire. Commençons par la gauche. D'accord. Le bon ordre est, de gauche à droite, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus et Mercure. Le symbole de Jupiter ressemble à un Z, comme Zeus. Ok. Donc, avec les pierres, on peut faire tourner ça. Un Z. Il est où le Z? Ça, c'est pas un Z. C'est ça. Jupiter, ok. Et ensuite? À droite de Jupiter, c'est Mars, le dieu de la guerre. C'est un bouclier transpercé d'une lance. Une lance, un bouclier. Allez. Mars devrait être... C'est celui-là. Avec c'est ça. Maintenant Vénus. C'est celui juste à droite du soleil. Le symbole a la forme d'un collier. Un collier. Ok. Donc là, il faut trouver le collier. Je cherche un cercle avec une ligne tracée vers le bas. C'est ça. Je crois que c'est Vénus. Le dernier, c'est Mercure, le dieu du commerce. Il porte un bâton avec deux serpents entrelacés. Le symbole de Mercure comporte deux serpents entremêlés. C'est voilà. Ça. Ouais, on a réussi, les gars. Ouais, c'était. Merci, Lucas, pour nous avoir aidés, parce que... Je pense pas qu'on aurait réussi tout seul. C'est très joli, cette pièce, hein, franchement. De toute beauté. Mais c'est de toute beauté. Vaudin, monsieur Vaudin, est-ce que vous êtes là? Il est là, les amis. Regardez. Magistère Vaudin, je suis Amicia de Rune. La fille. Je comprends pourquoi ces brutes sont devenues si calmes en bas. L'ordre a été impressionné par ta façon de défaire l'Inquisition en Guyenne. Eh bien, je n'avais pas vraiment le choix. Pas un choix. Une vocation. Celle de protectrice du porteur. Une quoi? Une protectrice. Ta fonction au sein de l'ordre. Mais je ne suis pas... Et tu es? Lucas, je suis aussi alchimiste. Un apprenti. Ta magistrat, c'est elle que tu te présentes ainsi. Peu importe. La Macula vient de se réveiller. Mon frère a besoin de votre aide et les rats sont déjà à vos portes. Calme ta colère, protectrice. Elle pourrait bien te consumer. Prends mon sac. Allons voir ce porteur. Waouh. Oh, on dirait l'île, les gars. On dirait l'île que Hugo a vue dans ses rêves. Où il était soigné. Putain, c'est quoi ce délire? Magistère Vaudin. Où est-il? En haut.
Comment tu te sens? J'ai peur. Hugo, voici Magister Vaudin. Bonjour. Je dois commencer immédiatement. J'aurai besoin de calme. Mère, je m'en occupe. Alors, va-t-il trouver quelque chose? Ok, chapitre 1 terminé les amis. Et 2 aussi. Et on va passer au chapitre 3, un fardeau de sang. Lucas, viens, dépêche-toi. J'arrive. J'ai entendu Hugo crier, que se passe-t-il? Il n'a pas bien réagi, il fait une crise. Quoi? Mère! Vous devez arrêter ça. On ne connaît pas cet homme. Amicia, nous avons toujours su que ça pouvait arriver. Et cet homme est un membre éminent du plus ancien collège d'alchimistes de la Terre. L'Ordre connaît la Macula. Hugo n'est pas seul. Je suis là. Il faut trouver de toute urgence de la belladone pour calmer les spasmes. Il y a un herboriste aux abords de cette ville. Il est situé de l'autre côté du quartier des Bouchers, à l'orée d'une forêt. Tu verras. Très bien. Je viens avec toi. Ici, je ne serai à rien, de toute façon. Ça change d'ambiance. Suivre Lucas jusqu'au quartier débouché. Début du chapitre 3, du coup. Allez, on avance. Saleté de pluie. C'est assez loin. Ne perdons pas de temps. Oh là, l'ambiance, elle a tellement changé, c'est un truc de ouf. Maintenant, il fait gris. Il est où le soleil du sud, là? On est toujours dans le village, mais on dirait qu'on est carrément ailleurs, quoi. La situation est de pire en pire. Je sais, c'est trop bien fait. Inquiète, mais laisse un peu de temps au Magister Vaudin. Du temps? Du temps pour quoi? Pour faire souffrir Hugo encore plus? Il mène des expériences. Mais il sait ce qu'il fait. Personne n'est plus compétent que lui. Oh, arrête avec ça! Il traite mon frère comme un animal. Non. Il faut trouver une autre solution. Comme cette île dont rêve Hugo. Un rêve? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un rêve, Amicia? Continue de veiller sur lui pour moi. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Mais ça ne suffit plus. Ah, est-ce que Amicia va partir toute seule à la recherche de cette fameuse île où on avait rencontré un phénix? Ils sont tous partis. Eh ouais, le marché est fini. La foire est terminée, les gars. C'est par ici, je crois. J'arrive pas à croire qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Aucune idée. Il y avait cette odeur. Espérons que ça se règle vite. Ah, si vous saviez, les amis, ce qu'il y a dans cette arène. Notre porte devrait être par ici. Oh, sans peste! Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Je la vois. Alors. Bon. Tu es prête? Je suis carrément prête. Allons-y. Ah là, les amis, quel jeu, franchement, c'est incroyable. Il est terrible. Franchement, c'est très très cool. Et l'ambiance est là, quoi. La viande pourrie. Oui, c'est le quartier des Bouchers. C'est le plus court pour aller chez l'herboriste. D'accord, bienvenue dans le quartier des Bouchers. Elle est belle, ma volaille! Elle est belle! Oh. À rôtir, à bouillir. Mais quelle horreur avec toutes les tripes au sol, mais c'est l'enfer. Ah, mais c'est du sang qui coule, c'est pas de l'eau au sol. Ces cochons sont répugnants, c'est connu! Occupe-toi de tes poulets, sale langue de vipère! Oh mon dieu! Ah, mais il y a des mouches partout et tout. Sérieux les gars, vous achèteriez de la viande ici là? Tu crèves dans les deux jours. Si vous n'avez jamais mangé de bœuf, vous ratez quelque chose. What? Dégueulasse. Voilà les portes de la ville. Nous n'y sommes pas encore. Et l'état d'Hugo pourrait empirer à chaque seconde. Vite! Ça va bien se passer. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Un petit pot? Un petit pot? Ah non, des fragments.
Ok. Des fragments. J'ai pas regardé d'ailleurs dans le menu. Tac. Capacité. Ouais, pour l'instant, bah en fait ça. Ah oui, d'accord. Là, il y a une barre jaune qui avance. Ok, dès qu'on va passer ça, on aura gagné le truc opportuniste. Et fabrication. Ok. Très bien. Papa est seul à la maison. On y sera bientôt, maman. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le bordel là-bas là. C'est quoi le problème ? On peut pas sortir ? Rien de bon, on dirait. Par ordre du comte Victor Zahn. Comment ? Ce quartier est désormais condamné. Il est interdit d'entrer pour votre propre sécurité. Vous ne pouvez pas faire ça ! Non ! Le temps presse. Il y a peut-être un autre chemin. Dites-nous ce qui se passe au moins ! Les enfants sont à l'intérieur ! On sait bien qu'il y a un problème ! Qu'est-ce que vous nous Donc là, on peut pas passer les gars. Il faut faire demi-tour et trouver un autre chemin. Peut-être par là. Il y a une ruelle par là. T'en penses quoi ? Je pense que c'est carrément bien. Tu vois un moyen d'entrer ? Attends. Oh. Je pense. Ah, bien vu. Oui. Bien vu, mon petit. Par ici, Amicia. Il est fort, ce petit Lucas, quand même. Hein. On est chez quelqu'un ? On ne fait que passer. Oh my god. Je crois que je rêve. Les déchets des boucheries. Il faut vraiment passer par là. Pas le choix. N'y pense pas. Retiens ta respiration. Ah, c'est là-dedans qu'il jette tout. Non. Oh my god. Non. Allez, on patauge dans les tripes et le sang et les boyaux. Oh non, me dis pas. Si, j'en ai eu dans la bouche. Je t'ai dit de pas respirer. T'es un malade. Oh, Lucas. Les choses qui doivent proliférer là-dedans. Ah ouais, mec. Pourquoi diable penses-tu à une chose pareille ? Ça m'empêche de perdre l'esprit. Peut-être, mais c'est moi que ça va rendre folle. Toi que c'est seulement une transformation de la matière. Oh my god. Je crois que je vais vomir. Oh putain, ça t'est immonde, les gars, vraiment. C'est chaud. Oh seigneur. Mais mec, je change de pantalon, mais direct. Fichus. Direct. Le sol est recouvert de sang. Comme la reine. Tout cet endroit n'est qu'un appât. Un petit coffre. Ok. On s'équipe. Ok, c'est bon. Il y a une charrette qui bloque. Viens, aide-moi. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Attends. Oh. Oula. Oh le bordel. C'est quoi ça ? Oh putain, y'a des rats. Non, pas encore. Ah, c'est chaud. Vite. Je le savais. Les rats se répandent déjà. On va encore devoir se frayer un chemin. On va y arriver. Pense à la belladone, c'est tout ce qui compte. Putain. Oui. Eh, c'est chaud, ça veut dire que les rats, ils sont déjà quasiment dans la ville principale où il y a Hugo. Donc c'est très très chaud. Bien entendu. Oh oh. Il y a encore des habitants. Ils n'ont pas évacué les maisons. C'est comme à la reine. Je vais prendre la fronde. Les brasiers sont trop faibles pour qu'on puisse traverser. Merde, comment on va faire ? Je réfléchis. Est-ce que je peux pas tirer sur les cadavres, non ? À mon avis, il doit peut-être y avoir des... Ah non, bah non, c'est pas grave. Faut que j'utilise les pots, hein. Je crois qu'on a pas le choix. Hein. Pas le choix, les gars. Hein. Faut passer comme ça. Viande les a attirés. Ok, ici, on peut passer. Y a pas de rats. Pour l'instant. Oula. Il faut qu'il bouge. Il va décorer cette carcasse, c'est ça ? Oui, évidemment. Allez, chopez-les. Ils ne peuvent pas l'atteindre, ce sac. C'est le même que ceux de la charrette. Essaie de l'atteindre avec ta fronde. Ok. Tire un caillou sur la fronde avec les sacs de sal... sur un sac de salpêtre pour créer un nuage qui éteint les flammes et fait suffoquer les ennemis. C'est quoi cette poudre ? Du salpêtre. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. C'est encore du salpêtre, non ? Oui. Il y en a plein. Si les gens au dehors savaient,
Leurs familles sont ici, leurs enfants. L'armée ne pourra pas le cacher longtemps. Ça va être la panique, Lucas. Oui. Seigneur, c'est infesté. Il faut partir ! Attends ! La lumière ! Les habitants ? Sans doute. Ça fera l'affaire. Viens, ne reste pas là. Attends, j'en prends un peu. C'est vraiment très utile. C'est bon. Tu peux y aller. Ah, il a pris du salpêtre dans le sac. Recule. Ok, d'accord. What ? Il faut faire quoi, là ? Le feu, maintenant. Oui. Et hop, on va éteindre le feu, en fait. Oula, j'ai eu peur. Faut que je passe, mais... Ah oui, d'accord, il y a l'échelle, là. Ok. Ah non, attendez. Là, il y a quelque chose. C'est bon. On continue. Oui, beau travail. Nickel. On peut y aller, on peut y aller. Vite, vite, vite. Oh mon dieu, j'ai peur qu'il me choque. J'espère qu'on trouvera l'herboriste dans ce chaos. Il est hors de la ville, non? Il est peut-être épargné. Ah, petit couteau, mais pour l'instant j'en ai pas eu besoin, donc ça va. J'en ai toujours un en stock. Là on a un petit coffre. Ok, soufre, alcool, fragment. Il y en a trois autres ici. Ils se sont pas laissés faire. Oh non. Oula. Soldat. Hé ! Qu'est-ce que vous fichez là ? On ne fait que passer. Personne ne connaissance doit de la chimique débloquée. Ce sont les ordres. Attendez, non ! Vous devriez être mort ! Il va la lancer. Amicia ! Oh ! Oh putain ! Oh Seigneur ! C'était moi une... C'était très chaud. C'était très très chaud. Un soldat de l'armée de Provence. Je sais ! Pourquoi nous a-t-il attaqué ? Ah merde, putain, eh les gars, c'était pas un soldat de l'Inquisition, c'était vraiment un soldat du comte de Provence, et on habite chez le comte de Provence quand même, donc... Ah, ça part en couille. Ils tuent les habitants. Oh. Ils exécutent la population. Oh non. Oh là là, mais on est... Mais les gars... Reviens ici, enfoiré. Non. Bon sang. Eh ben, il ira pas plus loin. Cette oh merde. Est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter s'il nous voit. Putain. Maintenant, Hugo a besoin de cette pélatone, et vite. Bon bah les gars, ordre. Écoute, ou soldats de comte de Provence. Tu peux utiliser ce salpêtre contre certains pour préparer de l'extinguis. Oh. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Oh, c'est stylé. Allez. Extinguis. Vous pouvez désormais fabriquer de l'extinguis. Maintenez R dans le menu. Et voilà, tac, comme ça on va pouvoir éteindre les torches des soldats. Torche, ça c'est trop stylé. Tu sais, je sais. J'adore, ça c'est quand tu peux éteindre les torches là, c'est vraiment trop bien. Allez, bye bye. C'est bon, le mode sadique est activé. On l'a déjà fait par le passé, mais c'est toujours choquant. Oui. Mais non. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Tac, on va le rallumer pour pouvoir passer. Ok, là on a un coffre. Par contre, j'ai vu que j'avais augmenté. Hop 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 hop. Voilà. Calmons-nous. On va rester là tranquille. J'avais augmenté un truc apparemment. On va regarder dans les options. Fabrication de capacité. Ouais, c'est celui-là. Connaissance alchimique. Grâce à une meilleure connaissance de la chimie, Amicia fabrique plus vite ses munitions. Trop bien. Ok. Et donc, prudence pour l'instant. Je suis pas trop prudent, visiblement. Je suis plutôt alchimique. Et j'ai récupéré un truc sur lui, du salpêtre. Alors attends, là ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire les gars? Pour passer, il faut, je pense, balancer ça là. Hein. Restez là gentiment, d'accord? Laisse-toi, voilà un autre. Mais on va pouvoir éteindre sa torche. Pas question d'ouvrir ça. Bye bye. Merde, par contre là, putain, comment je vais faire pour passer à chaque fois là? À part balancer de l'inifère, hein. Je vois que ça. Ah non, j'en ai plus des bombes. Ouh là, c'est chaud. Ah non, bah de toute façon, ils sont occupés sur le cadavre, donc c'est bon. N'oubliez pas de marquer d'une croix les maisons visitées.
faut impérativement évacuer les cadavres hors de la ville. Mais oui, éloignez les corps. D'accord. Les rats suivront. Ah merde. Voilà. C'est bon. En fait, il restait la torche, donc du coup, les rats ne l'attaquaient pas. Dommage, je peux pas passer là. Oula. J'ai pas une petite branche là, un petit branchage, ça aurait été pas mal. On va passer par ici. On doit quitter cette ville et laisser Votain derrière nous. Pourquoi, Amicia? Pour une île vue en rêve. Un rêve qu'il fait depuis des semaines. Je pense que Amicia a raison, les gars. Je suis d'accord avec Amicia. Je pense que clairement, voilà. Je pense clairement qu'il faut trouver cette île. Oula 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 oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oh l'idiot. J'avais pas capté qu'il y avait trop d'ombre. Je pensais avoir le temps de passer en fait, mais pas du tout. Ok, je pense qu'on va repartir comme ça en arrière. Voilà, déjà on a trouvé des petites branches, c'est quand même pas mal. C'est un peu ce que je cherchais. Nickel. Voilà, et là on fonce. Ah par contre attends, là-bas il y a un... Ah merde, il y avait de la salpêtre là-bas là. Bon tant pis. On va avancer comme ça. Jusqu'au prochain brasier. Ah. Toujours dans la lumière. Oh non, ils sortent. L'herboriste est là-bas. Non, ne me dis pas qu'il faut aussi ratisser les faubourgs. Oh bon sang. Hey, du calme. On peut encore le trouver avant eux. C'est sans fin. On allume ça. Nickel. Ok, là il y a les portes de la ville. Waouh, c'est quoi ça? Il est immense ce coffre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Waouh, ah ouais, c'est refait. Fragment. Un outil. Je pourrais améliorer mon équipement avec un établi. Les outils vous permettent d'améliorer votre équipement à un établi. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé d'établi, mais ça ne saurait tarder. Des soldats. Non. Il paraît qu'il a placé la ville sous l'autorité de la bête. La bête? Ça explique le carnage. La bête. Ce type est un boucher. Oula. Il y a deux torches. Ton pot. Un nuage d'extinguis peut éteindre plusieurs torches. Un pot d'extinguis, ça peut marcher. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, un pot d'extinguis. Les rappeurs sont déjà passés. J'avais pas pensé à ça. Ils ont peut-être oublié des trucs. Allez, on prend le pot. Tu rêves, mon gars. Et on balance. Waouh. Ah, trop bien. On a déjà perdu assez de temps à cause de... Yes, baby. Ils ont fermé c'est la pour ça. Il doit bien y avoir un moyen de le rouvrir. Nickel. Donc là, normalement, ils sont occupés à bouffer les deux corps. Je pense qu'on peut J'espère passer par ici. Qu'il peut tirer le coup. C'est dur à entendre, mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. Ok, c'est là. Allez, Lucas, on y va. On va avoir un problème. Quoi ? Il n'y a pas de frein là-dessus. On va devoir courir. Oh. C'est ça. Lâche à mon signal. Et on va courir en arrière. Maintenant. J'arrive. Allez, 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 allez. Allez, allez, plus vite. Je suis derrière toi. Allez, 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 allez. On est passé, on est sorti. On est sorti, les gars. Oui. On y est. Waouh. Beau travail. Ouh. Regarde. Ouh. Pas de rats. Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. Et ok. J'y pense. Dans le laboratoire de Vaudin, il y avait une fresque représentant une île. Je l'ai vue, Lucas. C'est vrai. Que dis-tu de ça? Je l'ai vue aussi. Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Je tenterai de demander. Merci. Bon. Mère a dit que l'herboriste vivait à l'orée d'une forêt. On ne doit pas être loin. Ok les amis, on est sortis de la ville. En route vers l'herboriste. Et ça sera dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à faire ce nouvel épisode. Ce jeu est décidément vraiment stylé. Très incroyable. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, le petit like les amis. Pour voir la suite, tous les jours à 18h. Merci beaucoup. Et à très bientôt les amis pour le prochain épisode. Ciao.